La Libye en proie à des pénuries de carburant. Et cela se fait sentir dans le camp Kadhafi comme du côté des rebelles. On le voit ici à Ajdabiya. Rares sont les stations essence encore ouvertes. Et pourtant, le pays dispose de grandes réserves de pétrole. Mais voilà, depuis le début du soulèvement populaire, les raffineries sont fermées. Il n'y a plus d'essence ici, dit cet homme. Tout le monde cherche à s'approvisionner, même à l'extérieur de la ville. Tout ça, c'est de la faute de l'armée de Kadhafi qui a attaqué la région ces derniers jours. Comme l'explique notre envoyé spécial sur place, cette situation devient vraiment problématique pour la population et cela complique tous les déplacements. Le colonel Kadhafi a importé près de 20 000 tonnes de carburant pour faire face aux pénuries à Tripoli. Côté rebelle, on s'active pour relancer l'exportation de brut. Objectif, s'assurer une source de financement. Un tanker vient justement d'appareiller de Tobrouk avec un chargement de pétrole destiné à être raffiné et vendu à l'étranger.